Je suis Richard Lescure, attaché de coopération éducative auprès de l'ambassade de France à Sofia et directeur adjoint de l'Institut français. Donc, j'ai pris mon poste il y a bientôt 2 ans maintenant et j'ai été tout à fait intéressé et fasciné par quelque chose que j'ai un peu découvert sur place, qui était la puissance du réseau des lycées bilingues. Il y a en effet en Bulgarie 60 lycées bilingues que nous soutenons beaucoup, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'émotion même, avec tous les moyens dont nous pouvons disposer, à la fois directement et à la fois par des partenaires. Et on sent qu'il y a vis-à-vis dans ces lycées une attente assez incroyable, à la fois des directeurs, à la fois des directrices surtout, puisque c'est surtout des femmes qui dirigent ces lycées, et à la fois évidemment des enseignants. Simplement et presque anecdotiquement, ces lycées sont des lycées qui accueillent des générations successives pratiquement. Il m'est arrivé de rencontrer par exemple un chirurgien plasticien qui est devenu un de mes amis. Son père étudiait en lycée bilingue, lui-même a étudié dans le même lycée bilingue qui est le lycée Lamartine, et ses enfants sont tous issus des lycées bilingues, de ce même lycée bilingue Lamartine, et font actuellement des études de haut niveau en France. Donc ça, ce sont des réussites que nous avons, je pense, dans ce genre de contexte où on pense qu'un Bulgare sur 10 ou sur 12 est francophone, non seulement francophone mais francophile. Donc ce tissu véritablement de 60 lycées bilingues est quelque chose de très très important qui comprend à peu près 10 000 élèves, et c'est quelque chose véritablement à soutenir, et nous les soutenons.